Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Comme on vous l'avait annoncé il y a quelques semaines passées, nous avions l'intention de continuer une petite série d'émission sur le trapage avec notre trappeur expert dans ce domaine, M. Claude Gauthier. Alors cette semaine, nous allons parler de l'heure d'apport, je pense que la même chose, et de d'autres sujets également, mais toujours concernant la trappe avec un expert, un trappeur émérite, mon ami Claude Gauthier. M. Claude, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Merci d'avoir accepté à la course, à la haute, <laughs> cette invitation-là, et euh, je vous en suis très reconnaissant. C'est au grand plaisir, Gabi. <laughs> or, et c'est réciproque, <laughs> croyez-moi. Bon, on va parler d'appât de l'or. Bon, comment, là, on installe ça? Euh, ça sert à quoi? C'est sûr que ça sert à tirer les bêtes dans un piège. Mais, ce, pour le simple commun des mortels, comme moi, qui ne connais absolument rien là-dedans, euh, c'est chaque apple a son à ben, son, euh, son, euh, son leur, si on veut expliquer ainsi, mais comment ça fonctionne exactement, puis euh, un petit peu plus tard, on va aller aussi, on va en montrer, puis on va les expliquer. Ben, euh, ce qui arrive, Gabi, <laughs> c'est qu'on on peut, on peut différencier les espèces dans deux, deux, euh, deux sections. On a les, les animaux terrestres, ce qu'on appelle. Okay. On parle du lynx, on parle du renard, on parle du coyote, du coyote on du parle loup, du loup, ça, on okay. parle du pékin on parle de la martre. Ça, c'est les animaux terrestres. Ensuite de ça, on s'en va dans les, dans les animaux qui sont semi-aquatiques, entre autres le castor, le, castor. le remusqué, la loutre et le vison. La plupart des espèces semi-aquatiques, on va utiliser différents leurs mais il va être bon pour les, les, euh, les quatre espèces semi-aquatiques. Okay. c'est la ouais. même chose aussi pour mettons euh, les animaux terrestres par contre si on vise spécifiquement mettons exemple le loup le loup c'est lui qui est en haut de la qui est en haut est, de la pyramide c'est le euh, c'est ouais. lui là le loup il y a pas de prédateur donc après ça on tombe au coyote on tombe au lynx puis le renard c'est le dernier de c'est le dernier là, en, bas de la, en bas de la pyramide. Que... Je vous arrête juste un instant parce que là, vous venez <laughs> d'ouvrir une porte, Claude. Euh, quand on dit que le loup, c'est le top, oui. okay, est-ce que c'est parce qu'il n'y a, a pas de prédateur, mais c'est parce qu'il est trop fin ou c'est parce qu'il est trop fort? Il est trop fort. Il est trop, il fort. Est trop fort. Il n'y a pas. Je pense qu'on en a <laughs> parlé dans un autre. La oui. là qu'on a montré, on a différencié la peau de loup avec oh, la peau oui, de Oui, exactement. On coyote, là. Un loup, là, euh, comme ici, on n'a pas, pas les super gros loups qu'il va avoir, mettons, comme dans le Nord, même juste à Beijing, c'est des loups, là, ça part à 125 livres, bien souvent. Là. Du... Okay. Dans l'Ouest canadien, là, ça va aller jusqu'à 175, 180 livres. Ça commence à faire des loups, là, comme, comme grosseur. C'est vraiment c'est vraiment le top. Il n'y <laughs> en a pas de prédateurs. Quand on met une meute, si on met une meute là, de 4-5 loups ensemble, de ces grosseurs-là, il n'y a rien qui peut venir à bout de ça. Même pas, même pas un ours ou n'importe quoi. Et... l'attaque, il s'en va ah, au oui. parti vital immédiat. immédiatement. Oui. Ils vont et là... le mordre, ils vont le mordre pour qu'il s'en aille, même s'il y a un. Mettons que l'ours aurait abattu... Des fois, je vois des vidéos là, dans l'Ouest canadien, là, des griselies, il n'y a pas à dire, c'est des grosses bêtes. C'est gros. 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 Mais les ouf, les loups finissent par le faire fuir parce qu'ils viennent de tout bord, de tous côtés, puis ils vont le mordre, puis euh, ils vont ils voient que cette puis il va partir. Okay. Mais c'est vraiment, c'est vraiment le top. Okay. Lui, pareil, c'est sûr. Si lui, on. Ben, dans les leurres, il y a deux sortes de leurs. Il y a le leurre olfactif, okay. qui, qui est pour justement les, le senteurs, le les, les senteurs, senteurs, toutes okay. ces choses-là. Puis il y a le leurre okay. visuel pour certaines espèces. Entre autres, le lynx, ça fait partie de la famille des félins. Puis on sait que les félins, c'est n'est pas reconnu pour avoir un gros odorat. On n'a rien qu'à penser aux choux. Le chou, ça n'a pas un, un grand nez comme un chien ou quoi que ce soit. Ah, okay. C'est la même chose pour les, les, pour les, les, les animaux sauvages, c'est la même 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 chose. Mais par contre, le lynx, tu sais, des fois on dit œil de lynx, là. Oui, oui exactement. ça a une vision épouvantable. Lui, on va l'attirer énormément avec un leurre visuel. On s'en va dans un sentier, mettons, on, on le sait, l'automne, quand toutes les feuilles sont tombées, oui. le, le décor est tout pareil. La façon qu'on fait pour l'attirer à ce moment-là, on prend des rubans rouges que, ou oranges. Là, que on porte en forêt. Oui, que c'est ça. Oui, c'est ouais, ça. Des fois, oui. qu'on veut s'en aller à une place, puis là, on, oui. veut, être savoir de, on veut être sûr de s'en revenir, on met des rubans pour oui. être sûr des de reçus. C'est ça. On se sert de ça, puis on utilise soit euh, une affaire qui va. Des fois, on va prendre une assiette d'aluminium qui va vire-voler au vent. Okay. Mmh. Ensuite de ça, qui est bien efficace aussi, c'est des ailes de canard ou des ailes de pâté ah, oui. hein? ou des ailes d'outarde. Parce que ça paraît pas, mais euh, ça marche gros, gros, gros de tout ça. Okay. Puis ensuite de tout ça, après qu'on l'a attiré, là, on va y mettre un appât pour qu'il aille directement là. Ça n'a aucune méfiance, c'est curieux. Un lynx, là, c'est bien facile à pogner. <laughs> <laughs> ben, ben oui, c'est sûr, c'est habitué. Pour le gosier, c'est facile à pogner. Ouais, mais, <laughs> mais quelqu'un qui commence, là, c'est pas si difficile que ça. C'est la curiosité. Ce qui fait qu'on va pogner des bêtes, c'est comme je dis à bien du Monde. La curiosité, parce que si on enlève la curiosité d'un animal, on n'empoignera pas. Ah oui. On n'empoignera pas parce que, mettons qu'on parle de l'heure, mais mettons qu'on met une odeur, qu'on accroche une odeur, puis que les loups vont sentir ça. Les, en passant, les loups, l'hiver, les autres, dans leur territoire, ils vont s'en aller sur ce qui est le plus haut comme montagne, puis ils vont se fier gros sur les corbeaux. Ah, okay. Les corbeaux, s'ils trouvent, mettons, une une carcasse, voie, une voie. Une carcasse ils vont oui. virer en rond ou oui, quoi que ce soit. Ça. Les loups vont s'en aller là parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose là ou quoi que ce soit. Puis parce... par contre, on peut l'attirer, mettons. Parce... parce que quand on regarde euh, un corbeau, une corneille, euh, entre autres, qui vire tout le temps en rond, puis elle... là, c'est parce qu'elle a vu quelque chose. Oui. Oui, exactement. Parce que c'est drôle à dire, mais moi, c'est les biologistes qui me l'ont confirmé. Le corbeau et puis la corneille, ils ont de l'odorat. Ah, okay. Des fois, on se dit comment tu se ça qu'ils ont trouvé une telle affaire ou quoi que ce soit. Des fois, moi je les enterre, les appaux ou qu'il y, y a eu de la neige par-dessus, mais ils sont capables de, de le déceler. Fait que souvent, on va, on va se fier avec ça aussi. Quand c'est des bois bien forts, qu'on sait qu'ils ont de la misère à atterrir, bon, on va mettre un apôt direct dans le chemin. Fait que là, les, les corbeaux, ils vont venir manger, mais dans le chemin, quand ils nous vont arriver... Mais ben là, ils vont sentir l'appât qui est plus loin. Parce qu'un loup, on peut facilement aller faire ça 3-4 kilomètres plus loin avec juste un odeur. Eh mon Dieu. Fait que là, ce Claude, on va regarder, vous en avez oui. emporté des appâts. Disons que j'en mettrai pas sur mes taux. Pas bon, probablement. Non, il y, y en a gros qu'on ne mettra pas <laughs> sur nos <une, rire> taux. Par contre, il y en a qui sentent très bon. Oui, c'est OK. Mais oui. je veux dire, c'est sûr qu'il y en a qui sentent ah. pas mal moins Puis bon. Avant. <laughs> D'attaquer ça. Oui. Comme on dit, parce que je ne veux pas l'oublier, il y a un appât que vous n'avez pas emporté, au cas où, <laughs> mais c'est de l'urine de moufette. Oui, de l'urine de moufette. Est-ce que c'est un, un excellent appât? C'est un leurre leur olfactif incroyable. Puis l'hiver, on va. Alors, les petites bouteilles, c'est pas plus gros que, que ça. Les petites bouteilles d'urine Et... de moufette, c'est de la vraie urine de moufette. On va, on va mélanger ça avec de la glycérine. Ça ne gèle pas l'hiver. Ça fait juste comme une crème. Et puis, euh, on va accrocher ça, là. Ça sent, ça sent mais ça sent longtemps. C'est incroyable. Toutes, toutes, toutes les canidées vont tout le temps aller voir l'odeur de, de, de moufette. C'est quoi qu'il y a là? Comment? Que... On prélève ça, Claude? Ah, bien, euh, il, il se fait de la capture. Mettons, on a le droit de, 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 de capturer des moufettes, puis okay. des, euh, des ventes ou n'importe quoi, là. Je veux ça... Il y a eu un encan dernièrement, en fin de semaine passée, et puis il s'est vendu peut-être 500-600 pots de moufette. C'est très beau, la pourrure de la moufette. Oui, c'est très ça, très, ben, très beau. C'est beau, une moufette. Oui. non ben, ben, pour les glandes, wow. c'est qu'ils vont, ils vont souvent recueillir ça avec euh, des, des freins. OK. Ils vont le siphonner, puis. Je présume qu'ils font ça dehors aussi. <laughs> je sais qu'il n'a pas voulu en emporter en studio. Présume font Au ça cas de où. Dehors. Parce que là, on vide le studio, <laughs> puis euh, mes futurs enregistrement on met ça deux mois. Pour ah ça. oui, oui, oui. oui. Ça sent, ça sent extrêmement fort. Puis, ça attire quel animal? Bon, tous, les, tous les canidés vont aller voir ça. Que ce soit le renard, le lynx, okay. le loup, le coyote, ils vont tous aller voir ça. Ils sont attirés par l'odeur. Le but, d'un leurre olfactif, c'est de faire venir la, la, la bête. Okay. Après ça, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que quand tu la fais venir, puis, puis le leurre, tu t'organises pour le mettre assez haut pour pas oh. qu'il soit capable de le repérer, mais que l'odeur se répartisse grandement. Fait qu'à ce moment-là, la bête euh, va venir, puis elle va chercher. Puis souvent, on va avoir un, un appât au milieu avec des collets, puis ça va avoir. ça, ça, ça sent tellement. Ça enlève la méfiance, mais ils vont se promener pour essayer de trouver est, est où vraiment l'odeur, parce qu'ils savent que plus qu'ils se rapprochent, plus que ça sent. C'est de même qu'on va finir par, par capturer là, les, les bêtes qu'on veut capturer. Ça veut dire que cette euh, urine de moufette-là, c'est pour attirer oui. la bête. Oui. Un coup que la bête euh, approche de plus en plus de la senteur, bien là, vous vous mettez à chercher et vos pièges se situent autour. Oui, exactement. Puis. Euh, je ne sais pas si jamais tu as déjà été uh, Gabi, dans un élevage de renards. En passant là, le, le, des, dans les élevages de renards, l'urine de renard. Des vraies odeurs de moufettes, une vraie odeur de moufette. Okay. Moi, j ai, j ai jamais, je ne vais jamais. Je prenais des moufettes, puis je les pichais au bout de mes bras parce que je ne voulais pas m'en servir comme ma peau. Un Quelqu'un, une bonne fois, vous a dit Hé, hey, hé hey, Claude! On ne fait pas ça. On ne <laughs> fait pas, pas ça. ça. Envoie-la dans le milieu, puis tu vas voir les résultats, puis c'est vrai. Ça, ça, ça le mange tout. Je commence toute la mouffette, je ne comprends pas. <laughs> ils ont, Donc, ils ont, pourtant, ils ont un bon nez. <laughs> je ne m'en servirai pas comme, comme souper un dimanche soir. Probablement pas. Fait M. Claude, on va euh, on va regarder les, euh, les appâts que vous avez emportés. Alors, je vous laisse aller avec ça. On va. Oui, ça exactement. On va, oui. on va commencer. On va commencer, Gabi. Ça, ici, c'est on, on, y on a, a beaucoup. On peut prélever je regarde là, quand on va à la chasse à l'orignal, ceux qui utilisent des mâles, ils vont périller, ils vont, euh, vont euh, c'est-à-dire retirer l'urine de, de, de mâle, l'orignal ou une femelle, oui. ces choses-là. On peut faire la même chose sur nos bêtes sauvages. Comme ça, ça c'est de l'urine de lynx. Ça veut dire que ça a été pris directement d'un lynx qui était, qui, qui était capturé. Là, ça c'est de l'urine de lynx mâle. Ça fait qu'à ce moment-là, quand on met notre piège, notre appât, on va mettre ça, c'est comme un spray. On va mettre un petit peu d'odeur de chaud. Parce qu'un lynx, si vous avez bien remarqué, tout à l'heure, je parlais, ça dans la famille des félins. Quand il va marquer son territoire, euh, contrairement, mettons, aux loups, aux coyotes et aux renards, mais un peu comme le chiens qui vont se lever la patte pour chaud oh, puis, oui. lui, il va se virer de bord, puis ils vont faire, il, va, il va comme euh, coucher ouais, okay. après un arbre. Okay. Puis c'est la même chose. donc Quand on voit, mettons, les, les, les lions en Afrique ou ces affaires-là, il fait exactement la même chose. Fait avec une odeur de mâle différente, ça, on va l'utiliser peut-être plus euh, en fin de saison, quand c'est le temps de l'accouplement ou c'est chaud. Ah, pour attirer encore pour plus. Pour attirer encore okay. plus. Okay. Si on met l'urine de mâle, ben les femelles qui vont être en chaleur vont être bien plus attirées ou quoi que ce soit. À ce moment-là, c'est plus utilisé dans ce temps-là. Est-ce qu'il y a peut-être une question comme ça, Claude? Est-ce qu'il y a une différence entre l'urine... Femelles et l'urine mâle, ou bien si pour le Claude Gauthier, c'est de l'urine point? Bien, et, et, et sûrement qu'il y a une différence, là. Euh, mais ce qu'on utilise, là, c'est quand on, on en prend un. On prend plus, un, on, prend, on souhaite toujours prendre plus de mâles que de femelles. Okay. Parce qu'on sait que les femelles, c'est notre production. C'est oui. ce qui va nous permettre d'avoir des petits d'année en année. Donc, il faut prendre le moins de femelles possible. Oui, exactement, pour protéger la faune. Oui, -même, oui. On... Parce que les trappeurs, qu'on en dise euh, du bien ou du mal, euh, protège la faune également. Là. Ben, exactement. On veut. On... Moi, je, comme je dis à Bain du Monde, c'est la seule richesse naturelle voilà. qui est renouvelable tous les ans. Et voilà, exactement. On coupe une forêt, ça prend, je des 15 ans. Une mine, ça va prendre Dure probablement valet. un an glaciaire pour pouvoir avoir des mines. Et voilà, exactement. La faune, si on fait attention et qu'on la protège, c'est renouvelable tous les ans. Moi, ça fait, ça fait 37 ans que j'ai mon terrain de pieds verts. Toujours pogner la même quantité de bêtes puis ces choses-là d'année en année. Mais je surveille aussi, on surveille gros les captures. Quand ça commence à être trop des femelles, là, on arrête dans des secteurs. Ah, OK. Euh, Donc, euh, si vous faites oui. Si vous faites attention à ça et vous faites attention à la faune également. Oui, Donc, on oui. On va oui. continuer, Claude. Oui, avec, exactement. Euh, exactement. Fait là, c'est ça. Ensuite de ça, on a ici, ça, c'est de l'urine de loup. Puis en passant, quand on utilise une sorte d'urine, mettons exemple, que moi là, je veux capturer des loups, puis je vais mettre de l'urine de loup. Un coyote, il n'ira pas. Il ira ah, pas, non? Il ira pas en mettre par-dessus ça. Parce que lui, il sait que c'est un plus fort que lui, il va s'en aller de là. <laughs> ah ben, mon Dieu Seigneur, OK. Ouais. Ah, ça, oui. ça veut dire que. C'est pour ça que c'est Son territoire oui. avec son urine aussi. Oui. Puis euh, le loup, si le loup arrive, le coyote, il va partir. Ah, il va se torcer. Comme on le disait sur... tout le temps, parce ouais. que le loup est d'une force beaucoup. Il n'y a pas de prédateurs. Non, prédateur. il n'y a pas de, de prédateurs. C'est vraiment remarquable. Moi, je regarde sur mon terrain de pieds verts. Quand je, je vais faire ma, 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 ma tournée, ou même, ça peut mm -hmm. être à l'extérieur, c'est pour. je parle avec gros des trappeurs. Puis quand qu Moi, je arrive sur mon terrain de pieds verts. Si au début de mon terrain, je vois des pistes de lynx, je sais que les loups ne sont pas là. Ils ne sont pas là en même temps. Ils, ah, se tassent, okay. ils se tassent, ils se tassent. Le loup, l'ornard, le coyote, dès que le, le loup, euh, loup c'est-à-dire qu'il arrive dans un territoire, on dirait, on dirait que les autres disparaissent toutes. Ils ont peur. Oui, bien il, il ben, il il Ils le savent plus fort. que c'est le plus fort. Exactement. Ils savent que c'est le plus fort. Fait qu'à ce moment-là, euh, ça disparaît là. Euh. Puis ça, là, cette urine-là, vous la mettez pour quel piège? Euh, ça, ça va être ben, ça, ça va être pour les, les collègues, mais ça va être surtout ceux qui vont piéger le loup, mettons au pied à pâte. Ah, OK. Les pièges de rétention qu'on appelle c'est C'est qu'ils vont installer un piège, puis après ça, on va mettre comme un petit appât enterré. <laughs> puis on va mettre sur un petit bâton un peu plus loin, on va mettre un peu d'urine pour que le loup aille. Parce que lui, il va savoir que c'est pas, pas, pas lui, pas, C'est pas lui qui a mis ça là. Fait qu'il va toujours repousser par-dessus. Il va remettre sa, sa, sa trace, lui, ah, par-dessus, mon... à lui, par-dessus. Pour effacer la trace Exactement, de Exactement, pour montrer que c'est lui qui est là. Ça fait qu'à chaque fois qu'il va passer, s'il y en a un qui a fait, qui a uriné, lui, il va uriner par-dessus pour montrer, non, regarde, ça, c'est mon territoire ici. La faune, c'est de la faune. C'est incroyable. Quand on se met, tu euh, sais, okay, à la chasse de nombreuses années. Je dis, on, on allait à la chasse et on va à la chasse aussi pour le simple commun des mortels. On va essayer de tuer un orignal, ouais. euh, mais tout ce qui entoure tout ça, c'est absolument fantastique. Puis ah. c'est quand on jase avec des experts comme vous, M. Claude, qu'on apprend tellement, mais tellement comment ça peut être fin la faune. Ah, c'est incroyable. Moi, je sais bien que je vois l'orignal, puis être assis dans une tour sur le bord d'une dame de castor, quand je vois soit, mettons, des loutres ou un castor ou, ben non, un vison ou un remusqué, souvent, des fois, tu vas voir un... un on sait qu'un point d'eau, ça va attirer autant, renard, lynx. Euh. Oui. C'est le fun de voir agir ça. Quand, quand ils ne te voient pas, il le voir vraiment dans le milieu naturel comment ça se comporte, c'est incroyable. Incroyable. Parce que quand on allait à la chasse à l'Orignal, on avait une tour, puis à peu près à, disons, 100 pieds de la tour, il y avait une grosse dame de castors. Puis sur la, la fin de l'après-midi, on était dans notre tour, puis on regardait travailler les castors, mais c'est tellement beau. De regarder travailler ça, l'intelligence. Oh, c'est des, de ça... des vrais ingénieurs. Ah, là, je ne serais pas mal. Des vrais ingénieurs. Me tente de dire peut-être un petit peu mieux des fois. Ah, <laughs> <Et oui>. ouais, <laughs> on n'a pas quoi là-dedans? Un terrain glissant. <laughs> un terrain glissant, oui. Un terrain mouillé. Oui, oui. oui. On oui. va continuer avec là. Il y a une autre petite bouteille Oui, là. là. Il ouais, y a une autre petite bouteille. Ça, c'est un, euh, un leurre pour Lou et Koya. OK? OK? Fait que ça, c'est marqué dessus qu'on peut mettre, mettons, euh, à chaque piève 30, euh, 30 gouttes, OK? Puis qui va durer, mettons, parce que ça sent longtemps pour ça, ces sortes de l'heure-là. Les okay. gens qui fabriquent ça, euh, on le voit là, il y a comme il y a On voit ça comme une. une... Oui. Ils il bougent il bouge de quoi en dedans, là? Oui, exactement. Okay. Fait on, on va les brasser pour okay. les mélanger comme il faut. et okay. à ce moment-là. Parce que souvent souvent, ces l'heure là euh, c'est fait à partir de, de, de viande ou de glandes animales. Puis, euh, ils vont les emmener, ils vont les faire faisanter. Puis ils vont les emmener à un degré qu'ils veulent. Puis, après ça, ils vont mettre. Je ne me souviens pas la solution qu'ils mettent. Je pense que c'est du borac ou ces choses-là. Ils vont arrêter la progression de la fermentation. Puis ils vont la maintenir au niveau qu'ils veulent avoir. Il y, a, il y a des gens qui sont vraiment là, dans, dans les leurs. Il y en a qui Ce sont, sont des vraiment, spécialistes, oui, vraiment. Oui, exactement. Exactement juste une question de même, parce que je ne voudrais pas parce que des fois on sort vite, souvent on dit ça. Détection de la senteur. Moi, si je me souviens, j'adorais l'émission Les Montagnards, certains <laughs> le vendredi soir sur Historia, je crois. Et puis est-ce que j'ai mal compris où chez l'ours qui détecte... Les odeurs, et si ma mémoire est fidèle, c'était au-delà, au euh, c'était environ 30 kilomètres. Est-ce que, ou, ou mettons, mettons 20 déjà, c'est quand même beaucoup. C'est comme si à, à la serre. Là, oui, oui. Est-ce que c'est possible Dans un vent, dans un vent favorable, moi je dis qu'il y a pas de problème pour euh, pour ça parce que c'est incroyable là. Cette bouteille-là ici, ça c'est de l'huile de poisson. Ok. Ça, la façon qu'on va récolter ça. C'est qu'on va prendre des déchets de poisson, on va les mettre dans un pot de verre, on va mettre un, un screen dessus pour pas qu'il y ait de mouches qui alpentent, des, wow, okay. ouais, des verres ou quoi mmh, que ce soit, okay. puis on va faire fermenter ça au soleil. Il va se produire une huile au-dessus de ça, c'est ça qu'on va récolter. Ça, ça sent extrêmement fort ça donne bien, bien Oui, il faut, oui. oui. la s'il vous plaît. <laughs> on parlait à l'heure de, de l'urine de, de, de moufette. Là. Ça sent aussi fort, sur comme, comme chose. Moi, j'ai attrapé, à un moment donné, à la piste cyclable de Val-d'Or, il y avait un ours. Et puis, euh, le rang de conservation qui est en charge du bureau il me connaissait, m'a appelé. Pour, je travaillais là dans ce temps-là. Il m'a appelé pour aller le, le capturer. Fait qu Ils qu'ils ont fermé la piste cyclable. J'ai installé deux pièges à ours. J'avais justement mis de cette, de, de cette odeur-là, euh, j'avais pris comme un genre de watt, puis j'avais accroché peut-être à six, à 5 pieds, au moins 5-6 pieds de hauteur. Quand j'ai ressorti dans le petit chemin en m'en allant avec mon camion, j'ai vu l'ours à 1 km d'où j'avais mis mon piège. Le lendemain matin, il était dans le piège. Ah oui? Puis je t'assure, juste par. Il s'en allait puis il avait le nez en l'air. La ouais, la oui, il s'en allait de fonctionnait. exactement. Puis le nez en l'air. Le fait qu'il y ait le nez en l'air, ça veut dire que tu capté une odeur. Moi, je crois que tu peux aller chercher ça pas mal loin. Puis le pendement, il, y vend, il oh, Oui, oui, c'est sûr. Oui, ça. Oui. Mais euh, ça l'a vraiment. Là, oh, le lendemain, il était directement dans le piège. Là, euh, là, J'ai dit, tiens, on a réussi à le prendre. <laughs> à on va continuer, il y a encore euh, oui, d'autres. Oui. Ça, ça c'est un, un leurre pour la marque. Euh, L'odeur pour la marte, souvent, on va utiliser euh, de l'huile d'anis. Le euh, de port des gens, ils doivent, ils doivent connaître ça. ça. quand tu sens ça, ça sent comme la réclisse. Okay. Comme la réclisse noire. Mm -hmm. puis pour, le, pour la marte, c'est excellent. La marte, le Pécan, on va utiliser ça, là, on va prendre, de on va, prendre de, de. on va juste mettre, on va mettre pareil un petit apôt dans le fond, soit mettons, un déchet de perdrie ou ben non, un morceau de cartar, puis on va mettre cette odeur-là il va sentir encore plus fort. Parce que ça, pareil, les marché c'est un peu comme les pékins ça n'a pas des grands nez, mais ça, a, euh, ça a un bon senteux. Okay. Fait qu'on va le mettre pour pouvoir les attirer avec ça. Est-ce que est genre, ce genre d'appât-là euh, peut s'installer dans l'eau? Non. Non, okay. parce que ça ne donnera pas de... Non, ça donne... là, il n'y aura pas d'odeur. Non, parce il n'y aura, aura pas d'odeur. Il n'y aura pas d'odeur. Que... Par contre, quand ah. on va... On peut prendre utiliser de l'huile de poisson. Pour exemple, mettons, de la loutre. La loutre, okay. on sait que ça mange énormément de poissons. Euh, souvent, on va prendre un, un piège, un, un, piège là, un piège en X, qu'on appelle les fameux conibires. Mm -hmm. Et puis, on, on va mettre un petit, un petit poisson artificiel dessus. Sur les, les deux fourchettes. Oh, oui. okay. on, va mettre les, 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 on va mettre un poisson artificiel, puis on va y mettre de l'huile de poisson dessus. Fait que ça va se répandre comme un peu dans l'eau. Les loutres qui vont s'en venir, puis qui vont... Euh, justement, mettons sentir cette odeur-là. Puis, on, on le dit, c'est de l'huile. Donc, si tu l'envoies dans l'eau, ça fait un peu comme un filament. Voilà, exactement. Parce qu'à ce moment-là, ils vont le sentir, ils vont venir voir directement c'est quoi qui, euh, c'est quoi qui fait qu'ils qu viennent là. <laughs> le temps passe très vite, euh, M. Claude. On était rendu euh, à. Ouais, on est rendu à ça ici. Lui, ça, lui, je l'aime pas trop trop. Il me semble que je ne mettrais pas sur mes outils, disons. Non, ça, c'est des glandes de viso des glandes de vison. Ouais, c'est comme... Ben, toutes les espèces animales, la plupart, pour marquer le territoire, peu importe l'espèce. au niveau, juste au niveau de l'anus, chaque côté, ils ont souvent deux petites glandes. Puis ça, c'est des glandes de vison. Fait que, on a récolté l'odeur de, 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 de... On a pris ces petites glandes-là, on les a hachées, puis on les a mis là-dedans. Ça, <laughs> dans le maison aussi, ça sent fort. <laughs> <rare. rire> Mais... C'est formidable pour, pour capturer du vison. C'est peut-être une question, ben, innocente un peu, mais ça ne me fait rien de la poser. Euh, euh, le vison, mais est-ce que, moi, mettons, je ne ai absolument rien là-dedans, si je le mets sur un autre, pour capturer un autre animal, ça ne marchera pas? Ben, euh, mettons, tout à l'heure, on parlait des, des espèces, que je disais qu'il y avait deux espèces, Les semi aquatiques oui. il faut, si on met de l'odeur de, 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 de vison, mettons, dans une boîte, mettons, pour capturer un vison, si une loutre passe là, on va aller voir. On va aller voir, puis il y a des grosses chances qu'elle qu qu va se faire prendre parce que ça va pogner des visions de temps en temps. Okay. Une loutre, ça n'a pas grand prédateur non plus. Au niveau de l'eau, là. Elle... C'est quoi qui fait qu'une loutre est tellement respectée? Parce que on en avait, nous autres, notre camp de chasse, puis Je euh, euh, me semble que c'était impurant. Bien, on, on sait que c'est pas, c'est une bête qui est faite sur le long. Oui. Puis ça a des pattes courtes. Puis c'est fait comme un boudin, moi je dis. Toute la tête, on dirait, puis le corps est tout ensemble. C'est tout ensemble. Ça, ça a quand on capture ça, mettons, sous l'eau, des fois, quand on étend au castor sous l'eau avec des collets, là, ça fait comme un peu comme un alligator ou un crocodile. Quand ça va poigner une proie, ça va tourbillonner. Quand c'est pris, là, ça tourbillonne. Pareil comme un. Pareil comme ça, on dirait pour casser, teurde, mettons, le même un piège, si on met pas un système pour la noyer, là. Elle va tellement tousseter ça peut finir par se casser une patte puis elle va l'arracher. Ah, okay. C'est important. C'est bon. Alors, ah c'est... Moi, ça, je dis, c'est pas même une torpille. OK. <laughs> c'est pas oui, comme une euh... torpille. Euh... Mais ça, ça a l'air méchant. Quand elle nous regarde en pleine face, là... Euh... Ah, puis ça, souvent, ça va être sur le dos. Puis quand a bout du monde ou n'importe quoi, là, ça va faire des cris, ça va alerter les autres ou quoi que ce soit, là... Euh... Non, c'est... Je me trouve que les boursures de ça, ce vraiment mieux de, Disons que la faune, c'est vraiment fantastique, la faune. Quand on se met à. Moi, mon rêve, ce serait d'aller en forêt avec vous une bonne fois, puis me faire expliquer bien des choses, mais. Euh... Toujours le bienvenu, Yannick. On verra ça. <laughs> bon, euh, il en reste un dernier. Il en reste un dernier? Ça ici, quel est est du. Ça, ça c'est du tondreux de Castor. OK? Le castor, lui, il y, -y, ouais. okay, okay. oui. y a deux de On va le montrer un petit peu plus haut. Le castor, lui, il y a deux de Okay. Il y a les oui. tondreux, puis il y a les huileux. Les huileux, c'est ce qui permet de mettre de l'huile sur son poil pour l'imperméabiliser. On voit ça souvent des fois, des, des castors, ils s'assoient comme. On dirait qu'ils s'assoient comme sur sa queue, puis ils font une pression, parce que encore là, c'est situé au niveau des, des, glandes, euh, des glandes anales, okay. puis euh, il y en a une chaque barre. Ça, à on voit ça plus à l'intérieur. Puis ça, là, euh, mettons comme moi, là, ce que j'ai fait, là, ça, on les a prélevés. Ça c'est pour les vents. On les vend. Ils font beaucoup de pharmaceutiques avec ça. Les Asiatiques avaient ça pour un aphrodisiaque. Puis ensuite, <laughs> ça, ça là, Gabi là, on roule ça là. Puis c'est comme jaune en dedans là. Ça, sera, ça sent le vrai bois du tronc. Ah oui. Oui. Quand tu vois, on voit dans le bois qu'on coupe du tronc, on oui. a ça la cendre. Oui, c'est exactement heures, oui. la même senteur. Fait que nous, ce qu'on fait mettons pour dans des colonies de castors, c'est comme les humains. On y a toutes des odeurs, proprement, à l'œu colonie. Ça, on va prendre des, 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 des rognons de castor de même. On va, surtout, on va le prélever sur des petits, des gros, parce que ça, on peut les vendre. En passant, ça vaut 100 pierres la livre, ça. Okay. C'est un, un surplus de qu'est-ce qu'on prend. Ah, oui, ou quoi que ce exactement. Mais les petits castors ne sont pas gros. Ce qu'on fait, on les coupe tous en petits morceaux. On met de l'huile, euh, on prend les, les huileux des castors, puis là, on met ça par-dessus. On se fait comme une petite drogue avec ça. Okay. Ça pour pogner une colonie, t'emmènes ça dans une colonie, mettons qui est pas de l'autre là. Le castor là, on sait que quand il va sur l'eau, euh, on a de la misère à le voir là. Oui. Ben là là, il sort toute la tête. Puis peu importe où ce qu'on met ça, lui c'est direct là. Il s'en va là. Ah, c'est incroyable pour lui c'est un ennemi, puis il va tout faire pour le, le faire partir ou quoi que ce soit. Monsieur Claude, merci infiniment <laughs> encore une fois. C'est tellement intéressant puis. Euh... Si vous voulez apprendre sur l'attrapage, Claude Gauthier, <laughs> merci infiniment, Claude. Toujours un plaisir. Merci, ça fait plaisir, Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se revoit à une prochaine émission. On s'en parle. Bon revoir et bonne semaine.